Jour 6. Voyons voir ce qu'il y a dans cette grosse case. Bon, je vais tous vous avouer, je le sais. Hein. Oui, j'ai encore ça. Désolée. Je sais ce qu'il y a dans cette case. Et maintenant, vous aussi. Voilà. Vu que le jour 6, c'est la Saint-Nicolas, nous font un joli cadeau. Je vous ouvre ça. Je vous présente donc cette cavalière que le livre appelle, bah, comme vous l'avez vu hier, Vanessa. Je sais pas si je vais lui laisser ce nom. Je vais bien voir. Donc, pour une cavalière, elle est assez bien peinte. Hein. À part quelques soucis là et là. Ouais, franchement, elle est assez bien peinte. Elle est très jolie. Et donc, à cheval. Attendez. On va faire comme dans les courts-métrages. Voilà. Attendez, je cale l'appareil photo. Entre deux objets. Voilà, donc les rênes dans les mains. Elle est très jolie et elle va très bien avec le filet, ça lui tient bien dans les mains. Enfin là, je viens de lui enlever, mais ça lui tient bien dans les mains. Bref, c'est une très belle cavalière. Ouh ! Elle va gagner plein de concours de saut avec son fjord, car les fjords ne sont pas censés sauter. Donc elle va gagner des concours de dressage. Voilà ! Récap du jour. Donc voilà la récap du jour. On se retrouve pour les achats de la Saint-Nicolas pour le 6 décembre. Voilà, donc j'ai fait tout le nécessaire pour faire les créations. Donc on va commencer par mes deux gros rouleaux. Donc qui font... où est-ce que c'est marqué? 90, vous voyez pas, mais 90 sur 240 cm. En blanc et en rouge, je suis hyper contente de ça déjà, parce que c'est splendide, c'est énorme, c'est magnifique. Ensuite, j'ai mon petit sac derrière moi, j'ai pris de la fausse neige, donc je sais pas si vous verrez les détails comme ça, non pas trop, enfin, c'est de la fausse neige que j'ai pris en 3 paquets de 100 grammes, voilà. Après, j'ai pris des rubans qui me serviront toute ma vie, je pense, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du blanc, du rouge, hein, donc c'est Noël. Voilà, donc les quatre couleurs que j'ai prises. Attendez. Voilà. C'est magnifique, c'est splendide. Je suis hyper contente. Ensuite, j'ai pris un sapin. Excusez-moi. Noël égale hiver et hiver égale malade. Donc voilà le sapin. J'ai pris de la fimo. Enfin, c'est pas de la fimo, c'est de la patati patata, mais c'est de la fimo. En marron, rouge et jaune. Donc pour faire. Bah, je vous dirai pas quoi, parce que sinon ça vous révélera tout le planning des vidéos. Bon, le rouge, vous en doutez, mais le marron et jaune, je vous laisse deviner. Et enfin, j'ai pris deux autres sapins. Voilà, j'ai pris trois sapins parce que c'était stylé. Puis ils sont pas la même taille. Du coup, voilà. Et c'était tout pour ces achats. Et maintenant, je vous laisse avec la partie Schleich. Yeah. Donc maintenant, on passe à la partie achat de Schleich. Enfin, de chevaux, quoi. Et on va tout de suite commencer du plus petit au plus gros. Donc, le plus petit, donc Kayla n'est pas une jument que j'ai acheté. Hein. Le plus petit, c'est Dragibus. Le poulain Falabella, le voici donc. Ensuite,
Attendez, je vais mesurer la taille. Ah, ça équivaut. Last Hope, le poulain islandais. On va mettre ici. La taille qui équivaut avec Réglisse, le Hongre Shetland. Avec celle du Hongre Shetland, donc le voilà. Réglisse. Et enfin, la plus grande, c'est Athéna, la jument. excusez-moi. Tennessee Walker. Donc, je suis très contente de cet achat en Allemagne, puisque j'ai 3 Made in Germany. Donc, attendez, voilà. Ces 3 poneys sont Made in Germany, et celui-ci est Made in China. Donc, ça me fait 3 Made in Germany, et j'en suis très contente. Voilà.